Alors, deux morceaux de ces blocs, pouvoir transformer, pouvoir transformateur et émancipateur, vecteur de nouvelles formes d'hybridation, qui balaye définitivement le binérisme, particulièrement celui des deux puissantes marques commerciales, l'homme et la femme. Les trois pages m'attribuées ne le démontrent pas. Le langage reste dans l'ancien binaire. Le langage n'invente rien. La forme semble classique. S'opposer, inventer par les mots doit être trouvé d'autres façons d'écrire et de lire. Et ce n'est pas le cas. La liberté n'existe pas dans l'académisme. Mais peut-être les cinq pages nous donnent une image fausse. Peut-être le bloc des articles promet autre chose que le livre donne. Là, je vous dis, ce ne serait pas. Il ne faut pas oublier ça. Comment sortir de son académisme? À qui parler? Comment aborder un extraterrestre? Comment aborder un extraterrestre? Et puis, j'ai fait des recherches sur la sexualité,